L'émission Le sport pour la vie, ce sont des passionnés de sport, des gens actifs ou des entraîneurs qui nous parlent de leur histoire et de ce que le sport leur a enseigné pour toute la vie. Tout ça dans le but d'aider les parents coachs ou non à amener les jeunes sportifs à prendre soin d'eux et à développer leurs compétences émotionnelles avec le sport comme outil. Bienvenue à tous les passionnés du sport pour la vie. Aujourd'hui à l'émission Le sport pour la vie, je reçois Sylvain Croteau, directeur général et cofondateur de l'organisme Sportaide. Bonjour, M. Croteau. Allô, allô, ça va bien? Oui, merci beaucoup. Et toi, ça va bien, Sylvain? Oui, ça va bien, merci, oui. Je suis très heureuse de te recevoir dans le cadre de cette émission-là parce que je sais combien ou comment la mission de Sportaide est très importante, voire vraiment nécessaire et impérative dans le monde sportif. Donc, je suis vraiment contente que tu aies accepté l'invitation. Bien, c'est plaisir et pour nous, à toutes les fois qu'on a des opportunités comme ça de pouvoir discuter de sport sain, sécuritaire, pour nous, c'est impossible de dire non. Donc, Sylvain, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la mission de Sportaide? C'est une grande question, je sais, mais je pense que c'est important, là, justement, de la connaître le fondement. Sportaide, c'est une organisation qui a été créée pour venir en aide à la communauté sportive. Donc, que vous soyez un jeune sportif, un entraîneur, un officiel, un bénévole, un parent, un administrateur de club, Sportaide est là pour vous. Donc, si vous êtes victime ou témoin de tout type de violence sexuelle, physique, psychologique, harcèlement, abus, intimidation, cyber-intimidation, bien, Sportaide est là donc pour supporter les individus, oui, avec un service d'écoute et d'accompagnement spécifiquement des dédié à la communauté sportive, mais non seulement ça, Sportaide aussi accompagne les organisations sportives sur le terrain, donc les clubs, les fédérations, dans l'implantation de mesures saines, d'activités de sensibilisation, d'éducation, tout ça pour faire en sorte que nos jeunes sportifs aient une expérience sportive positive. Donc concrètement, Sylvain, qu'est-ce que fait Sportaide? Bien, Sportaide, d'abord, c'est une ligne d'écoute et d'accompagnement, un peu comme telle aide pour les adolescents. Bien, quelqu'un qui vit quelque chose, une expérience qui est négative, quelqu'un qui a des questionnements, des préoccupations par rapport à quelque chose qu'il a vécu, qu'il a vu, bien, il peut nous appeler, il peut nous contacter, chat, texto, les médias sociaux. Et nous, on a une équipe d'intervenants qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un service qui est gratuit, confidentiel, et là, j'insiste sur la confidentialité, parce que nous, c'est une organisation qui est indépendante. Alors, Sportaide a des liens de partenariat, oui, avec le ministère de l'Éducation, avec les fédérations sportives, avec Sport Québec, il y a un paquet de partenaires, mais là, ça arrête la relation dans le sens où, quand les gens nous appellent parce qu'ils ont des besoins, nous, on est là pour eux. Donc, il n'y a pas d'information qui sort de nos bureaux quand quelqu'un nous contacte parce qu'il vit une situation négative. Ben, l'information est traitée chez nous à l'interne avec l'individu qui nous appelle. En parallèle de ces services offerts aux individus qui vivent des choses, ben, il y a l'accompagnement aux organisations sportives qui sont désireuses de faire en sorte que leur communauté ait une expérience sportive positive. Alors, il y a des clubs partout sur le terrain, partout au Québec, avec des organisations en milieu scolaire, municipal, en milieu sportif aussi, évidemment, qui nous contactent parce qu'ils souhaitent mettre en place des politiques, des procédures, des activités d'éducation pour accompagner les gens qui composent leur organisation pour faire en sorte que tout le monde, au final, ait une belle expérience dans le sport qu'ils pratiquent. Donc, parle-nous, Sylvain, de l'équipe de Sportaide, parce que tu viens de le mentionner, il y a des intervenants aussi qui sont en contact direct avec la personne qui communique avec vous, puis ça reste, comme tu dis, dans vos bureaux. Donc, j'imagine que ces gens-là sont outillés pour aider et apporter des solutions, du moins. Absolument. Mais en fait, on a deux, je vous dirais qu'on a deux groupes dans notre équipe. On a notre équipe d'intervenants, donc qui donnent les services sur le service d'écoute et d'accompagnement. Ces gens-là ont différentes expériences, différentes connaissances en psychologie, psychologie sportive, sexologie, criminologie, travail social. Et non seulement on a cette équipe d'intervenants, mais on a aussi, au fil des années, composé autour de nous une toile de partenaires, ce que nous, on appelle à l'interne un système de référencement qui nous permet, lorsque des gens nous appellent sur des problématiques plus pointues, de pouvoir référer les gens qui ont des besoins vers ces organisations. Parce que nous,
Quand on a vu le jour SportAid, on ne voulait pas se substituer à des services qui sont déjà existants, avec le résultat, par exemple, que si quelqu'un dans sa pratique sportive avait des troubles alimentaires et qu'il nous contacte parce qu'il a besoin d'aide, bien nous, dans notre équipe, on n'a pas de spécialiste en troubles alimentaires. Par contre, dans notre banque de partenaires, qui sont plus de 350 individus et organisations partout au Québec, ben il y a des gens spécialisés en troubles alimentaires vers lesquels on va référer cette personne qui pourrait avoir de tels besoins. L'autre partie de l'équipe, ben c'est notre, je vous dirais, c'est notre expertise, nos chercheurs. Donc, on a des gens dans l'équipe dont la fonction, c'est de développer des contenus, des outils, des activités. Mais on le fait aussi en collaboration avec nos intervenants parce que nos intervenants ont le pouls de la communication puis des gens qui sont sur le terrain et qui ont des besoins. Alors, tout ça se fait en collaboration à l'interne, mais on a vraiment des chercheurs et des intervenants. Donc, c'est important d'avoir l'impression, justement, pour SportAid, de faire une différence. Donc, en jumelant les outils puis l'intervention, je suis convaincue que vous y arrivez. Et justement, SportAid, c'est un tout jeune organisme d'à peine 3 ans. Et vous dites que vous avez déjà plus de 350 partenariats. Donc, c'est vraiment pas rien. Ma question, c'est qu'est-ce qui pousse un gars de com, une athlète et une chercheure à créer un organisme comme SportAid? Ça va être une réponse peut-être étonnante, mais je dirais que c'est les hasards de la vie. Je vais nommer ça de cette manière. En fait, moi, personnellement, j'ai toujours été impliqué dans le sport amateur, dans différentes disciplines, le hockey, le baseball, le tir à l'arc, la boxe, le patinage artistique, mes garçons aujourd'hui avec le basketball, puis dans le sport professionnel aussi. Puis donc, oui, un parcours en communication. Puis au début des années 2010, mon parcours a fait en sorte que j'ai rencontré Guylaine Dumont, qui, elle, était une athlète de haut niveau en volley. Et Guylaine avait vécu des problématiques dans son sport, mais aussi dans sa vie personnelle, parce qu'elle était issue d'une famille où il y avait de la violence dans le milieu familial. Et Guylaine me racontait son parcours, et j'étais étonné de réaliser qu'il n'existait pas de service pour venir en aide à des sportifs qui vivaient des problématiques. Alors, partant de ça, on s'est dit qu'on avait là une mission devant nous et un objectif à relever. Et le hasard a fait qu'on a été mis en contact avec Sylvie Parent, qui, elle, est une sommitaire à l'échelle internationale pour ce qui est du sujet de la violence en contexte sportif. Et quand on a rencontré Sylvie avec l'idée que nous, on avait de créer un SportAid, ce qu'on ne savait pas de Sylvie, c'est qu'un an et demi avant, elle avait été mandatée par le gouvernement du Québec pour aller étudier un modèle d'organisation au Royaume-Uni. Et elle était revenue en faisant des recommandations, mais les recommandations ressemblaient étrangement à ce que nous, on avait comme vision pour créer un SportAid. Et là, on s'est dit, on aurait peut-être intérêt pour la communauté sportive québécoise à unir nos forces. Et c'est de là qu'on a décidé de créer SportAid. On s'est entouré donc d'administrateurs chevronnés, des gens de tous les milieux, mais on a aussi tissé des liens avec un paquet de partenaires dans la communauté sportive québécoise. Puis je dois vous dire aussi que le gouvernement du Québec a été d'une aide, et l'est encore, d'une aide précieuse, parce que le gouvernement du Québec a à cœur l'expérience sportive de nos jeunes sportifs. Et ils se sont investis dès le départ dans l'idée de créer, de doter la communauté sportive québécoise de services, de moyens. Et puis les partenaires aussi, le Sport Québec, les fédérations sportives, les unités régionales de loisirs et de sport, l'INS et j'en passe. Alors, c'est vraiment un travail commun. C'est pas quelque chose qu'un individu ou une organisation aurait pu réussir seul. Notre ascension, oui, a été rapide. Vous l'avez nommé précédemment. Mais très modestement, c'est pas quelque chose qu'un individu ou une organisation seule aurait pu réussir. Ça prenait et ça prend encore la mobilisation d'un paquet de partenaires sur le terrain. Certainement, parce que c'est quelque chose, là, partir un organisme peu importe dans quel domaine c'est, donc déjà d'avoir des partenaires en partant, des gens qui voient le besoin, c'est excessivement important. Puis je pense que vous êtes en mesure d'en témoigner.
Oui, tout à fait, tout à fait. Puis ça se poursuit parce qu'il y a encore un paquet de grands défis devant nous et pas parce qu'on a tardé à se mettre en marche. Bien au contraire, on est le Québec est cité en exemple à l'étranger, à l'international. Moi, dans les 24 derniers mois, j'ai été invité à aller présenter le modèle québécois Esportaid en Suède, en Finlande, des pays auprès desquels on est toujours en train de se comparer. Hein, on est toujours en train de dire « Ah, oh, la Suède, oh, la Finlande, ils font ci, ils font ça ». Mais là, on a été invité pour aller parler de ce qui se fait ici. Alors, et l'année dernière, presque à pareille date, bien, en avril, on devait accueillir ici à Québec. Puis ça, c'est pas un hasard, ça démontre la place que le Québec occupe dans ce sujet. On devait accueillir ici à Québec, organisé par Sportaid, un événement où on allait recevoir 38 pays, des organisations aussi prestigieuses que le CIO, l'ONU. Et donc, il y avait un paquet d'organisations qui s'étaient donné rendez-vous ici, dans un rendez-vous où on attendait près de 500 personnes pour discuter d'environnement sportif sain et sécuritaire. Et c'est ici même à Québec que ça allait se passer. Alors, tout ça pour illustrer qu'on est dans une position, on est vu comme un leader. Mais une fois que nous avons dit ça, on ne veut pas s'asseoir sur nos mains. Il y a encore plein de choses à faire. Exactement. Donc, c'est pour ça que je ramène ça au plancher des vaches, entre guillemets. Quand on est une association sportive, là, que ce soit en région ou dans les grandes villes, bien, on veut savoir comment accompagner nos athlètes, nos parents, puis comment nous-mêmes, on peut aussi aider nos athlètes. Donc, si il y a des gens qui nous écoutent, qui font partie d'associations sportives, comment qu'est-ce qu'on a comme outil de la part de Sportaid pour nous aider, pour en faire la promotion? Bien, en fait, nous, je vous dirais que chez nous, on n'a pas de mentalité vanille pour tout le monde. Une organisation qui nous appelle, on va prendre le temps avec elle comme on le prend avec un individu qui vit une problématique. Donc, on va prendre le temps avec cette organisation-là pour bien comprendre son environnement, comprendre quels sont ses objectifs, ses défis, ses enjeux. Et partant de ça, on va déterminer ensemble, avec eux, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils doivent faire. Nous, on n'impose rien à personne. On a une expertise, oui, mais nous, on a une vision, une approche qui est globale, inclusive, positive, qui fait en sorte que nous, les parties prenantes doivent faire partie de la solution. Donc, nous travaillons avec les gens, pour les gens. Alors, on n'a pas de formule prédéterminée pour personne. On sait qu'il y a des outils, il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres. Il y a des choses qui sont incontournables aussi dans une organisation sportive. Bon, une politique, un code d'éthique, un code de conduite, ça, c'est des choses de base dont on doit se doter dans notre organisation sportive. Mais tout ça pour dire que nous, on part toujours du principe que certaines organisations sont mieux outillées que d'autres moins bien outillées. Alors, on prend toujours le temps de prendre le pouls et de partir avec un point de départ, jamais en présumant que les gens ont tous le même besoin. Et Sylvain, à tous les à tous les athlètes qui nous écoutent, parce que là, on a parlé des associations, mais si on est un athlète ou un parent, qu'est-ce que tu aurais à dire pour leur montrer que c'est accessible, Sportaid, que dans le fond, on prend le téléphone, on vit une problématique? Bien, moi, je pense que la chose la plus importante à dire, quand on a besoin d'aide, il faut demander de l'aide. Il ne faut pas avoir peur d'en demander. Les services sont là. Ici au Québec, on a cette chance-là maintenant. On a des services, des outils pour les gens qui vivent des choses. Alors, ça, c'est la prémisse de base. Il ne faut pas jamais, au grand jamais, hésiter à demander de l'aide. L'autre chose que moi, j'ai envie de dire aux parents particulièrement, et pas seulement aux parents, à tous, quand on voit des choses, quand on est témoin de choses, il faut cesser de tourner la tête. Il y a des situations qui sont arrivées dans les dernières années, sans vouloir nommer d'individus, parce que, à mon sens, ils ne méritent pas de publicité, là. Mais il y a des choses qui sont arrivées ici comme ailleurs parce que des gens tournent la tête. Les gens tournent la tête pour différentes raisons. Banalisation de choses que l'on voit en contexte sportif parce qu'on se dit que ça a toujours été comme ça. C'est comme ça qu'on forme les champions. Ben, il y a des choses aujourd'hui qu'on doit cesser d'accepter pour les mauvaises raisons. Donc, il faut cesser de tourner la tête puis il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Il faut à être présent auprès de nos jeunes lorsqu'ils ont une pratique sportive. Je ne veux pas faire le procès des parents, puis je ne veux pas faire de généralité, mais moi, il n'y a rien qui me dérange le plus que de voir des parents laisser leur tout petit en bas âge
seuls dans un environnement sportif pendant qu'ils vont faire leurs commissions et leurs emplettes pour sauver du temps. Je comprends qu'on a des vies et des agendas extrêmement exigeants, mais nous devons être présents dans l'environnement sportif de nos jeunes. C'est terriblement important. On a aussi le droit de s'intéresser à ceux qui s'occupent de nos jeunes sportifs et de quelle manière ils le font. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire une enquête puis jouer aux policiers, mais on a le droit de s'intéresser. Nos enseignants dans les écoles, on s'intéresse à eux, on leur fait confiance. Bien, c'est la même chose avec les intervenants et les gens qui s'occupent de nos enfants en contexte sportif. Nous devons être présents dans l'environnement sportif de nos enfants. Sylvain, on parlait tout à l'heure de notre réalité pandémique. Justement, au niveau des sportifs, que ce soit au niveau des intervenants, des athlètes eux-mêmes ou des parents, est-ce qu'on a vu chez Sportaid une hausse des appels ou une hausse des situations problématiques, même si le sport était plus au ralenti? Ben en fait, il n'y a pas eu une hausse. Il y a eu un réalignement, si je pourrais dire. Avant la COVID, notre mission de base, mais même aujourd'hui, ça demeure notre mission de base, c'est les violences en contexte sportif. Mais c'est certain qu'avec la baisse des activités, la pratique des activités qui a cessé, ben il y a forcément moins d'activités, donc forcément moins de situations négatives pour nos jeunes sportifs. Mais par contre, la situation de pandémie a amené d'autres situations pour nos sportifs qui ont d'autres besoins, qui vivent autre chose, qui ont besoin de parler, de ventiler, parce que ce qu'ils vivent n'est pas facile. C'est pas pire pour le monde sportif qu'ailleurs, là, je tiens à le dire. Mais bon, puisqu'on parle de sport, nos jeunes sportifs et tous ceux qui les entourent vivent quelque chose eux aussi. Ils sont privés de leur activité sportive, ils sont privés de leurs coéquipiers, de leur entraîneur, de leur agenda, de leur réalité qui a changé complètement. Ils sont privés de quelque chose d'important pour eux. Il y a beaucoup de sportifs, entre guillemets, je vais dire, malheureusement, qui ne se définissent que par le sport, qui oublient qu'ils sont à la base des êtres humains. Alors, pour certains, c'est difficile actuellement. Ils doivent apprendre à s'occuper autrement, à faire autre chose. Ils sont redevenus maîtres de leur temps. Ça, c'est quelque chose qui nous est aussi beaucoup dit. Et des jeunes sportifs, ils savent qu'ils ont, on est vendredi aujourd'hui, ben ils savent qu'ils ont un match demain, une pratique après-demain, une pratique lundi soir, mercredi prochain un match, une rencontre au gym pour un entraînement. Ils ont une discipline. Absolument. Mais là, ils n'ont rien de tout ça. Alors là, actuellement, ça, c'est des témoignages que nous avons, c'est comment je me réapproprie mon temps, comment j'apprends à gérer mon temps. Puis ça, ben, c'est un défi pour eux. Puis hier soir, j'ai animé un groupe de discussion avec un groupe d'une cinquantaine d'athlètes en ski acrobatique. Puis ils n'étaient pas différents. C'était ce qui nous était manifesté. C'était ça aussi. C'est, mon Dieu, comment on s'occupe maintenant? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qui suis-je d'autre qu'un sportif? Alors ça, c'est un grand défi pour nos sportifs. C'est intéressant ce que tu amènes, Sylvain, parce que là, on parle de gestion de temps, on parle de se définir autrement qu'un sportif. Et dans l'émission que je fais, l'objectif, c'est d'utiliser le sport et à travers notre intelligence émotionnelle, justement, pour développer notre intelligence émotionnelle grâce au sport. Donc, ma prochaine question, c'est, oui, on a des questions sur comment on gère notre temps, mais est-ce que vous remarquez chez Sportaid différentes problématiques au niveau, par exemple, de la gestion des émotions du sportif, de la relation avec autrui, de la confiance en soi? Est-ce que c'est des choses aussi qui préoccupent les athlètes et les intervenants d'aujourd'hui? En contexte de pandémie ou en tout contexte? En tout contexte. Oui, oui, c'est clair que c'est des choses qui les préoccupent. Ça, c'est... on s'aperçoit... Ben encore là, je ne vais pas faire de généralité, là, mais la génération qui monte, voient les choses différemment. Hein? Ils ont été exposés à autre chose. Puis les gens qui s'occupent d'eux aussi. Donc, il y a un changement. On voit, il y a quand même des choses qui demeurent, là, mais oui, on sent qu'il y a une préoccupation davantage. Ça fait partie de l'éducation puis de la, je vais dire, de la débanalisation que nous devons opérer. Parce qu'il y a encore des comportements qui demeurent, mais il y a de plus en plus de gens qui refusent de les accepter maintenant parce qu'ils s'aperçoivent et ils comprennent que ça n'a pas
ça n'a pas sa place. Et est-ce que SportAid veut aussi mettre en lumière ces éléments positifs-là? Parce que de ce que je vois, SportAid est vraiment, a vraiment une philosophie très axée sur le positif. Donc oui, il faut dénoncer, etc., mais il faut aussi mettre en lumière les bons coups. Donc c'est une préoccupation que vous avez? En fait, c'est une préoccupation de tous les jours. Nous, notre approche, elle est vraiment globale, inclusive, positive. Moi, je ne sais pas, ça fait combien d'entrevues que je refuse de donner à des médias, mais maintenant, les médias ont pris, ont appris à nous connaître. Mais il n'y a pas longtemps encore, on nous appelait en nous demandant, on aimerait ça savoir ce que vous pensez de ce qui est arrivé avec Monsieur ou Madame X. Ça donne plus rien d'en parler, là. C'est arrivé, c'est passé, on ne peut rien y changer. Par contre, si vous voulez que SportAid vous dise ce qu'on devrait faire dorénavant, ce qu'on pourrait faire pour que de telles choses n'arrivent plus, ouvrez vos micros, je peux vous en parler pendant 24 heures. Puis ça va nous faire plaisir. Mais sinon, nous, là, de revenir sur le passé, de parler d'un individu, tout à l'heure, j'ai fait allusion à des choses qui ont marqué l'actualité dans les dernières années, mais je n'ai pas nommé les individus, pourtant il y a plein de noms qui me viennent à l'esprit, à quoi ça sert? On ne refera jamais le passé. Nous, on préfère regarder en avant puis mettre en place des pratiques, des politiques, des habitudes de comportement qui vont faire en sorte que dans 10-15 ans, de telles choses vont nous surprendre vraiment lorsqu'elles arriveront parce qu'on aura... Essayer de tourner la tête. Oui, on va me taxer d'idéaliste, là. Moi, je souhaiterais que dans 15 ans, SportAid n'ait plus besoin d'exister, là. Ça arrivera probablement pas. Puis mes collègues seraient pas contents de m'entendre si je disais ça. Mais je souhaiterais que dans 15-20 ans, ce soit tout réglé. Sans avoir tout réglé, si on peut changer les comportements, moi, je compare souvent quand je fais des présentations, c'est vraiment un changement sociétal qu'on est en train d'opérer dans le contexte sportif. Puis moi, la comparaison que je fais souvent, c'est il y a 20 ans, 30 ans, quand on parlait d'obliger la ceinture de sécurité dans les autos, ça a été un changement. Quand on a parlé de cesser de boire et de conduire, ça a été un changement. Aujourd'hui, il reste encore des irréductibles et on ne les éliminera pas, mais moi, je préfère ne pas concentrer nos énergies sur ces irréductibles. Je préfère me concentrer sur faire appel à l'intelligence des gens, la responsabilité citoyenne des gens pour réussir ce changement-là. Puis c'est pour ça que chez nous, le choix qu'on a fait, c'est une approche qui est positive. Sylvain, tu le dis, vous mettez en place des politiques, des outils. Vous venez de lancer, c'est tout frais, la politique CANE pour la protection de l'intégrité en contexte sportif avec des super partenaires. Évidemment, vous êtes soutenu. En fait, l'initiative vient de plusieurs personnes, mais vous faites partie des collaborateurs avec le gouvernement du Québec. Est-ce que tu peux nous parler de cette politique-là? La première chose qu'on doit dire, c'est quelle belle avancée pour le Québec, vraiment. Là. Ça a été un grand jour, le 1er février, puis c'est quelque chose sur quoi on travaillait depuis presque 2 ans avec les partenaires. Il y a 2 ans, à presque pareille date, on était réunis avec des partenaires et toutes les fédérations sportives, les représentants du gouvernement du Québec, pour établir ensemble le plan de match et déterminer ensemble ce que nous devrions mettre de l'avant pour... permettre aux victimes de pouvoir poser un geste important lorsqu'ils vivent quelque chose, c'est-à-dire pas seulement dénoncer, mais porter plainte pour qu'on prenne soin de la situation qu'ils vivent et qu'on essaie d'éliminer ces comportements et ces gens qui ont des pratiques inacceptables. Alors, on avait convenu à ce moment-là, il y a 2 ans, de doter les organisations sportives d'une politique cadre qui mettrait en place un officier des plaintes indépendant qui verrait au traitement des plaintes d'une manière vraiment indépendante, confidentielle et dans une pratique qui est cohérente dans le sens où jusqu'au 1er février dernier, les fédérations et les clubs, dans certains cas, oui, avaient quelqu'un pour traiter les plaintes, mais c'était à géométrie variable et aussi, il n'y avait pas... cette fine connaissance, parce que ça prend une connaissance pour traiter ça, mais non seulement ça. Parfois, c'est un bénévole qui bon, se retrouve là parce qu'il a besoin d'un rôle ou, tu sais, sans avoir vraiment choisi. Donc,
Puis, et même dans une situation où c'est un très bon bénévole, la première chose qu'on doit avoir à l'esprit quand on est une victime, ça prend beaucoup de courage pour porter une plainte. Alors, il ne faut surtout pas que tu doutes du processus et il ne faut pas que tu doutes des gens, dans le sens où on le sait très bien que dans le monde du sport, c'est beaucoup de monde, mais c'est beaucoup de monde qui se connaissent. Alors, est-ce que je vais porter plainte contre mon entraîneur quand... Et là, je ne veux pas généraliser, là, je dis mon entraîneur, contre un thérapeute, contre un bénévole. Est-ce que je vais porter plainte contre quelqu'un quand je sais que le quelqu'un ou le quelqu'une en question, son meilleur ami, par exemple, est sur le conseil d'administration de l'organisation? Tout à fait. Je vais peut-être me garder une gêne. Alors, c'est un peu ça. C'est une des choses que l'on souhaitait solutionner. Sylvain, en terminant, comment vois-tu l'avenir de 2021 pour Sportaid? Parce que là, on est en contexte de pandémie et là, tu disais justement être présent pour nos enfants et tout. Donc, c'est quand même parfois plus difficile dans ce contexte-là. Donc, en 2021, qu'est-ce qui s'en vient pour Sportaid? Bien, nous, actuellement, ce que l'on fait depuis presque un an, bien, on répond à la situation pandémique parce qu'on a... modifier, adapter nos services pour répondre à cette réalité. Évidemment qu'on est tous dans l'attente d'un nouveau départ, que les activités sportives reprennent. Et clairement, lorsqu'elles auront repris, ben nous, il y a des projets qui ont été qui sont en attente depuis quelques mois, pour lesquels nous continuons d'avancer. Mais on a de beaux projets devant nous. De belles choses vraiment qu'on va mettre en place, des belles nouveautés qui vont bien servir la communauté sportive. Vous comprenez que je ne peux pas les nommer parce qu'on veut se réserver de beaux lancements et tout ça, mais il y a de beaux outils sur lesquels nous travaillons. Il y a les aventures de Cindy, un livre donc pour les enfants. Ça, je peux le nommer parce qu'on l'a lancé en français en novembre dernier, puis ça concerne quelqu'un de chez vous parce que Cindy Ouellette, c'est une athlète native de Rivière-du-Loup, une athlète paralympique. Donc, nous, on a développé un livre éducatif et ludique pour les enfants, pour les aider à comprendre les différentes manifestations d'intimidation et de violence en contexte sportif. Mais non seulement ça, le livre est enrichi de pistes de solutions et de réflexions pour les aider, là, justement, à solutionner des situations dans lesquelles ils pourraient se retrouver. Ce livre-là va être lancé en anglais le mardi prochain. Il sera disponible, donc, partout maintenant en anglais et en français. Là-dessus, Sylvain Croteau, directeur général de Sportaid, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce magnifique organisme aujourd'hui. Merci à toi. Bonne journée.